Bonjour à vous, spectateurs des premiers jours, des premières soirées. Qui que vous soyez, et pour que nous soyons ensemble ce soir, il a fallu que la saison culturelle de Lanorville, Saint-Germain-les-Arpajons et Arpajons s'ouvre en grand sur 2012-2013. Nous, nous sommes les menteurs. Les menteurs du théâtre du menteur. Compagnie de théâtre en résidence sur les trois villes depuis 2 ans déjà et à qui les services culturels respectifs confièrent au mois de juin dernier un projet chevaleresque et néanmoins pittoresque, ouvrir la prochaine saison culturelle. Ouvrir la saison culturelle. Traduisez, créer un événement, communiquer autour de la programmation, rencontrer le public, ne pas gêner les artistes sur scène ce soir-là, être exhaustif mais concis, donner envie, parler fort mais pas trop longtemps et surtout, surtout, présenter la nouvelle saison dans le détail. Évidemment, nous sommes partants. C'est une forme de défi et nous serons, cela va sans dire, et sans peur. Et sans reproche. Bon, les choses se compliquent quand nous questionnons le détail. On nous répond qu'à peu près 47 spectacles seront à l'affiche, dont 14 jeunes publics, 3 festivals, 29 actions culturelles. Qu'à cela ne tienne. Et puis, il y a forcément une plaquette de la saison 2012-2013 qu'ils vont mettre à notre disposition pour que nous puissions nous livrer à cette vaste entreprise. En fait, la plaquette n'est pas tout à fait prête. Il faut encore un peu de temps, qu'elle soit validée par les élus, qu'ils aient le bon à tirer de l'imprimeur et qu'ils se soient tous mis d'accord sur le visuel de la première de couverture. Bon, eh bien, nous attendrons. Un peu. Pas trop longtemps. Il nous la faut, cette plaquette. Vous comprenez bien que sans cela, ça va être compliqué. Oui, ils comprennent. Début juillet, l'absence de soleil n'entamant en rien notre détermination et joie de vivre, nous allons récupérer la dite plaquette dans nos villes d'adoption. Étonné, inquiet et finalement stupéfait, rien ! Pas la moindre plaquette ! Pas l'ombre d'une ! Nous sillonnons les trois communes, commerçants, bibliothèques, mairies, et rien. Nous décidons d'aller les chercher à la source, dans les bureaux des services culturels. Rien ! Nada. Que de chi. Fermé. Parti en vacances. Pour cause d'inventaire. En désespoir de cause, nous allons frapper à la porte des théâtres d'Arpajons. De Lanorville. Et bien sûr, de Saint-Germain-les-Arpajons. Mais là encore, nulle réponse, nulle plaquette. Et une terrible question qui commence à faire surface. Y a-t-il une plaquette? Nos directeurs et directrices des affaires culturelles ont-ils communiqué sur la saison prochaine? Les gens sont-ils au courant? Les artistes sont-ils au courant? À part nous, les menteurs, qui s'intéresse à tout ça? Eh bien, c'est ce que nous allions savoir. Et faisant fi du titanesque de la quête que nous allions entreprendre, nous appelâmes à la rescousse les compagnons ludiques du théâtre du menteur pour partager avec nous cette poétique et farfelue mission. Comédien, comédienne, metteur en scène, bibliothécaire, stagiaire, musicien, étudiant et étudiante, photographe, clown, cinéaste, tous se mirent en quête de ce graal culturel. Cinéaste ! La plaquette de la saison 2012-2013 de Lanorville, Arpajons et Saint-Germain, les Arpajons. Et voici que vous est livré ce soir le fruit de leur recherche. Valérie, on est dans un centre équestre, là. Attends, Céline, tu penses que c'est la peine qu'on vienne chercher ici des plaquettes de la saison de... Non, mais attends, je veux dire, on est à la ferme du soleil, c'est ça? Oui, c'est ça, il y a des chevaux. Tu savais que les chevaux jouaient de la guitare? On va aller voir ce que c'est que ces affiches, quand même. Au sud du nord. Au sud du nord, c'est le festival de jazz qui ouvre la saison. Regarde, ils sont allés afficher ici. Nous tenons à préciser que ce film a été réalisé dans la meilleure humeur et sans aucun trucage géographique. Bonjour madame.
pardon, vous venez visiter le château de Saint-Germain-en-Laye ? Non, pas du tout. Je vais au théâtre, je vais à Saint-Germain-les-Arpajons, je me suis juste trompée de chemin. Je me suis trompée de Saint-Germain. So, hello. Hello. What's your name? My name is Kim. Kim, you come from, where do you come from? I come from South Korea. South Korea? Yeah. And you come to see the Chateau de Versailles? No. What do you come for in France? I come from here. Yeah, cultural season of Arpajon. Yeah. Yeah. Great. Thank you very much. Loin des mauvais tapages médiatiques et autres matraquages publicitaires, voici une initiative que je tiens à saluer, celle d'Arpajon, Lanorville et Saint-Germain-les-Arpajons, qui ont su utiliser des circuits de diffusion insolites pour leur plaquette culturelle. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Je voudrais une plaquette s'il vous plaît. Je n'ai plus en stock madame. J'en ai plus en stock. Bah, et celle-ci ? Celle-là, je la garde pour moi. Quoi ? Je la garde pour moi. Dépité, j'ai craqué et j'ai acheté Télérama. Pardon, Jean-Luc. Un moment d'égarement. Enfin, Télérama, c'est ce que je croyais. Oh ! Serge, Valérie, vous saviez que les plaquettes étaient vendues sous le manteau ? Figurez-vous, j'étais en train de me promener dans les Cévennes et je rencontre deux Anglais qui avaient fui les Jeux Olympiques et qui suivaient le chemin de Stevenson. Et on commence à discuter comme ça en se promenant et ils me parlent de la programmation de la région parisienne qu'ils connaissaient très bien. Franchement, voilà, que des villes comme Lanorville et Arpajon soient connues outre-Manche, ça, c'était vachement... étonnant pour moi, quoi, mais en même temps, voilà, ils m'ont dit que certainement ils allaient passer ce jour-là, donc ils seront peut-être dans la salle ce soir. Voilà, salut. Oh, génial, la plaquette de saison 2012-2013, Arpajon-Lanorville, Saint-Germain-les-Arpajons. Oh, je l'ai cherché partout, il n'y en avait plus. Oh, il y a un vent de liberté dans cette programmation. Oh là là. Ah ben ça c'est l'air marin. Vous la vouliez peut-être ? Ah ouais, mais là, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une, puis moi, ça fait très longtemps que je la cherche. Parce qu'il y en avait plein à Saint-Jacques-de-la-Mer. Tout le monde m'a dit, va chercher la plaquette de saison. Et mon bol, voilà, il n'y en avait plus quand je suis partie, parce que moi, j'ai passé mon temps sur l'eau. Et à la pêche. Bon, bah écoutez, peut-être aller voir si vous la trouvez ailleurs. Hein, bon, vous n'allez pas me suivre comme ça pour une plaquette. Bon, vous arrêtez là de me suivre, c'est pénible à la fin. D'accord, cette plaquette, j'en rêve. Chercher, vous êtes ailleurs, à Saint-Jacques, à Saint-Malo, à Dinard peut-être. Les enfants, c'est magnifique. J'ai trouvé la plaquette de saison que je cherchais. On va la mettre dans le coffre. Hein? Ah. Il n'y a plus de place. Bon, qu'est-ce que je fais? Écoutez, voilà, je vous propose quelque chose, je vous donne la poussette, puis je garde la plaquette. Là, je suis sur l'île d'Ar, dans le Morbihan. Et alors, j'allais acheter mon lait comme tous les matins, et j'ai découvert que la programmation de la saison culturelle
est distribué ici, dans cette petite fromagerie artisanale absolument géniale. Caro, regarde ce que j'ai trouvé, regarde ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que t'as trouvé? Waouh! C'est la programmation culturelle d'Arpajon, Saint-Germain, les Arpajons et la Norville. J'y crois pas, c'est dingue! Je la garde! Non! Pas question, rends-la-moi! Bonjour! 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 Excusez-moi, je vous ai mangé? Ça va, Oui, non, c'est bon. Parce que je fais un petit reportage pour la programmation culturelle de trois petites villes dans l'Essonne, oui. Au sud de Paris. Oui. Arpajon, Saint-Germain-les-Arpajon et la Norville. D'accord. Et on m'a dit qu'ici, à la Chèvrerie, au plateau de Mille Vaches, vous aviez des plaquettes de la programmation culturelle. Bon, j'avais un peu de mal à y croire, donc je suis venue vous rencontrer. Je voulais savoir si vous avez vraiment ces documents-là. C'est la programmation. Ah oui, je les ai pas reçus cette année, mais j'ai celle de l'an dernier. Je l'ai. Vous avez des plaquettes? Oui, je l'ai dans la salle de vente à la fromagerie. Vous pouvez me les montrer? Ah oui, pas de problème. Bah, vous avez beaucoup de prospectus, hein, mais il doit m'en rester une, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils passent, quand ils viennent acheter du fromage, ils m'en prennent des prospectus et puis des plaquettes, mais il me semblait bien qu'il m'en restait une. Ah bah là voilà. Voilà. Là voilà. Ah, c'est incroyable. Voilà. Bon, je suis impressionnée. Par contre, je serais bien intéressée pour garder celle de cette année. Ça tourne. Bonjour, l'info du jour, ce sont des clowns. Bonjour Bernie. Bonjour Ulysse. Bonjour Philippe. Bonjour Ulysse. Bonjour Philippe. Bonjour Bernie. Nous sommes en ce moment à Avignon avec votre spectacle BP Zoo Mélange de temps. Vous allez jouer à la Norville la saison prochaine. Est-ce que Avignon vous sert à vous préparer pour cet événement? Ah oui, Avignon ne sert qu'à ça. Nous, on ne voulait plus faire Avignon. Ce qu'on voulait, c'est être très chaud pour arriver à la Norville et pour faire un spectacle excellent là-bas, parce que c'est quand même un moment très spécial de la vie d'un artiste, la Norville. Alors voilà, c'est ça qu'on veut faire. La Norville. Hey, ça doit faire maintenant, je sais pas, une dizaine de jours que je sillonne l'Islande. Je suis plus trop sûr. Personne n'a entendu parler de ces plaquettes. Je suis toujours en Islande, sur une plage de sable noir. C'est désert. Pourtant, je crois que c'est là qu'on m'a dit d'aller. Hein. Je crois que c'est là qu'on m'a dit qu'il y avait les plaquettes, mais... Y'a rien. Tel Ulysse, lors de son odyssée, nous avions traversé la mer. Ma mission, et je l'avais acceptée, était d'aller vérifier que la plaquette saison culturelle 2012-2013 circulait chez mes amis outre-Manche. La voiture nous amena jusqu'au pays de Galles. Pour permettre une information en continu, je devais systématiquement communiquer l'avancée de nos recherches, tous les deux jours, par téléphone. Soudain, dans une cabine, l'inimaginable. De Arpajon, la Norville, Saint-Germain, les Arpajons, saison 2012-2013. Attends, incroyable. J'ai trouvé ça là. Attends. Il faudra demander donc du coup peut-être à la poste, savoir, c'est peut-être ceux de la poste qui les ont mis là, non? Je ne sais pas qui les a. Je laisse. Bah, laisse-le là. Ok. Il fallait aller plus loin, s'enfoncer au cœur même de cette région appelée Cymru. Wales en anglais. Rien ne nous fut épargné. Par tous les temps, tous les moyens de locomotion furent mis à notre disposition. Train, cheval, mouton. Allez,
Enfin, arrivant à Sénart, au plein cœur du pays de Galles, la quête atteignit son apogée. Là, dans ce petit village fleuri, devant la devanture d'une épicerie, nous restâmes ébahis. Oui, elle était là, bien exposée à la vue de tous. La plaquette. Hi, I'm very surprised, you know, because I just saw in your window you have a program of French theater. Yes, we have. Yes, and why? Because every year this theater sent me the program. Oh. We are in Kenneth, in the middle of Wales. My customers used to go to France, and I give them some advice on the cultural season and the theater of La Norville and Arpajon. Okay, so that's great. Thank you very much. That's okay. It's okay. Mission accomplie. Serge, Valérie, vous n'allez pas en croire vos yeux. Regardez ce que je vois ici pour la troisième fois aujourd'hui à Venise. Le programme de la nouvelle saison culturelle de Vizoul 2013 de Saint-Germain-les-Arpajons, Arpajon et la Norville. Valérie, c'est absolument hallucinant. Je suis actuellement en direct du Théâtre National de Ljubljana en Slovénie et je viens de trouver un spectateur qui cherche désespérément la programmation théâtrale de Saint-Germain-les-Arpajons, Arpajon et la Norville. Bon, apparemment, pour des raisons budgétaires, l'État slovène a décidé d'imprimer les programmes en noir et blanc. C'est absolument fantastique. La culture est venue jusqu'ici. Jean-Pierre Paul. Joël, pardon, Pomra, bonjour. Vous êtes metteur en scène, vous travaillez actuellement à Bruxelles sur la préparation de votre prochaine création qui verra le jour au Théâtre de l'Odéon à Paris. Je viens de découvrir, et peut-être vous l'apprendre, que vous ne serez pas au programme de la prochaine saison culturelle de trois villes majeures de l'Essonne, à savoir Arpajon, La Norville et Saint-Germain-des-Arpajons. Alors comme ça, à chaud, je voudrais savoir comment vous vivez cette annonce. Je suis un peu déçu, en fait, à vrai dire, c'est quelque chose que j'escomptais. Enfin, je crois qu'on peut dire que ça fait plusieurs mois. On attendait, on espérait une ouverture, une possibilité voilà, d'être présent dans cette programmation. Pour moi, ce serait quand même quelque chose de l'ordre d'un aboutissement. Donc voilà, déçu et en même temps, tout en sachant que c'est pas perdu pour les saisons à venir. Absolument. Très bien. Bah, écoutez, Joël Pomra, merci pour ce témoignage. On va vous souhaiter bonne continuation dans vos projets. Et puis, peut-être, si tout se passe bien, une ultime consécration en Essonne pour la saison 2013-2014. Je l'espère. Merci, Joël Pomra. Bonjour, j'ai peut-être une bonne nouvelle pour ces plaquettes. Je vais aller voir un petit village portuaire, Djupovigur, prononcé Djupovigur. Et là-bas, un vieux marin m'a envoyé vers la montagne à côté de son village. Il m'a dit qu'en haut, je trouverais peut-être une réponse. Voilà, c'est juste là. Ouais, maintenant faut monter. Ouais, non, je suis désolé. Je suis allé en haut, hein. Pas de plaquette. Rien. Nada. Je sais pas trop où aller. Je vais aller vers le sud. Toujours pas de plaquette. Rien que de la glace.
De la glace partout, mais pas de plaquettes. Je me retrouve donc à Times Square, donc New York, et chose effectivement tout à fait surprenante, je viens de rencontrer donc cette personne qui s'appelle Christina, that's right? Yeah, Christina. Christina, et chose vraiment incroyable, il se trouve que cette personne avait en main donc le programme de la saison culturelle de Lanorville et de Saint-Germain-les-Arpajons, et donc je juste lui poser des questions, savoir où elle a réellement trouvé ce programme. So Christina, just yeah. Can you tell me where did you find this program? Where? Well, I mean, everyone's got one. There's a lot of people talking about it, and I asked someone if I could borrow it, and they I just have it, and I'm very excited. It's the new season. Yeah. Okay, but did you know the city in France called Arpajon, La Norville, Saint-Germain-les-Arpajons? I mean the city Arpajon, La Norville. I go there all the time. I mean these cities are every year I must go. I mean I live in New York, but I have to go. Saint-Germain-les-Arpajons, I mean. Bye. Bye, merci, au revoir. Bonjour, François, depuis la ville de Tokyo. Tokyo, où je me trouve actuellement, ville de lumière, ville de bruit. J'étais à la recherche de cet outil de communication qui est la plaquette de saison des villes de Lanorville, Saint-Germain-les-Arpajons et Arpajons. Et je peux vous dire que si ce n'a pas été une mince affaire, eh bien, c'est fait. これすごい。アルパジョン。ランドビル。サンジェルマンレザルパジョン。何これ、どこどこすごい。これ。あ、すごいこれ、ブレヒタやってる。あ、待っていいじゃん、これ。お、お、お、お、お。あれ?マントゥルの劇場。あ、ほんと、マントゥル。すごい、これ。え、これは、これは、これは? Toujours pas de traces des plaquettes. Par contre, il y a énormément de vent. Je sais plus trop où aller. Je vais essayer de voir à la capitale. Le périple touche à sa fin et toujours pas de plaquettes. Je suis actuellement à Reykjavik, à côté de l'église, que vous pouvez voir dans le fond. Et non, rien, pas de plaquettes. Ça fait 3 jours que je dors chez des Islandaises qui n'en savent rien non plus. Je pense que c'est foutu pour ce pays. Bonjour, nous voici ici à Vientiane, capitale du Laos, dans un temple où a lieu la réunion annuelle des moines. Et si je me déplace un peu, vous allez voir qu'ici même, la saison culturelle Arpajon, Lanorville, Saint-Germain, les Arpajons, est annoncée. Oui, salut, c'est Catherine. En fait, il m'arrive un drôle de truc, là. Je suis à Bali. Voilà, ça, c'est les rizières et tout ça. C'est le moment du coucher du soleil, mais c'est pas ça le plus important, le plus drôle. Voilà, je suis tombée sur ça. Sur la saison culturelle d'Arpajon, la Norville, Saint-Germain, les Arpajons. Et à vrai dire, je trouve ça complètement dingue d'avoir ça ici. Et je crois que je vais faire mon enquête. Je voudrais savoir... Hey Kadek! Hey Kadek! What are you in your what is it? Oh, this book. Where? This show. Yeah, it's you. Yeah. Arpajon, Lanorville,
I go to dance here. Tu vas aller aussi à Saint-Germain-les-Arpajons? Yeah, I go to France for see this show. It's very good show. The first time I see, I watch the show, it's very good, very spectacular in the world. Salut Catherine. Quoi? Salut, tu vas voir, viens voir ça. Quoi? Il y a le programme de session de culture 2012 et 2013. Salut. Voici une plage de l'île de Koh Phi, sud-est de la Thaïlande. Si aujourd'hui le soleil n'est pas présent, la saison culturelle 2012-2013, elle, l'est bien. Mon Dieu ! Ah ! Ils sont très méchants. Oh. Ah. Et vous voyez ça, mon Dieu. Oh putain. Ah. Courez. Putain, près dans les oiseaux d'Hitchcock. C'est la merde. Vite. Ah. Ow. Putain, l'enculé, il m'a touché. Ah. Ah, c'est la merde. C'est la merde. Oh. Ah putain. Ah.